Un look de circonstance. Dimanche 1er août, Laetitia Despagne a mis ses vacances estivales entre parenthèses pour assister à la cérémonie de clôture du Atlantida Mallorca Film Festival, à Palma de Mallorca. L'occasion pour elle de remettre quelques prix, comme au réalisateur Stephen Frears à qui l'on doit Philomena, Tamara Drew ou encore The Queen, ainsi qu'à Judi Dench, interprète de M dans les films de James Bond. Et pour l'occasion, la reine semblait avoir opté pour un look très James Bond girl, avec une robe bleu nuit fendue qui laissait entrevoir ses jambes hâlées, chaussées par des escarpins à talons métallisés. Une tenue qui faisait ressortir le bronzage de Laetitia Despagne, adepte plus que jamais du blanc, qui avait opté pour une pochette assortie à sa robe et des créoles discrètes pour parfaire son look. Ravie de remettre un prix à une actrice exceptionnelle comme Judi Dench et à un cinéaste comme Stephen Frears, l'épouse de Felipe V semblait avoir l'espace d'un instant oublié le terrible deuil qui a récemment touché sa famille. En effet, le 27 juillet dernier, la reine a appris la mort de sa grand-mère paternelle adorée, Maria del Carmen Alvarez del Valle, alias Manchu. Laetitia Despagne était-elle aux obsèques de sa grand-mère? Ancienne journaliste radio, cette grand-mère paternelle qui s'est éteinte à l'âge de 93 ans semble avoir été un véritable modèle pour Laetitia Despagne, qui avant de devenir la reine d'un pays a elle aussi été journaliste. Toutefois, malgré son admiration pour Manchu et la tendresse qu'elle lui vouait, la maman de Léonore et Sofia n'a pas été vue à ses obsèques le 28 juillet dernier, au cimetière de Ribadesella. Des obsèques en petit comité où était présente la famille de la défunte, à l'exception de sa petite fille adorée, qui n'avait pourtant ce jour-là aucun engagement officiel.